cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred est bellissimo. Là, je suis en mesure de vous donner le sexe de l'enfant, si vous le souhaitez. Non, mais si on veut attendre la naissance. Je sais pas, je crois que j'aimerais bien savoir, moi. Enfin, ça t'embêterait. Vous faites comme vous voulez, les gars. Hein. Moi, je m'en fous, c'est... Si ça vous fait plaisir. Je suis au paradis. Je veux juste savoir pourquoi tu commences une histoire pile maintenant avec un mec qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam il y a encore 3 mois et qu'on verra plus dans 2. Mais qu'est-ce que t'en sais ? T'as jamais gardé un mec plus de 15 jours dans ta vie. Tu t'excuses, s'il te plaît ? Arrête-toi, tu penses la même chose. Et Jackie Chan, il en pense quoi de ta grossesse ? Bah, il accepte, puisqu'il est là. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'en séparer comme ça, d'un claquement de doigts ? Déjà, dans mes courts-métrages, j'en ai fait quand même 6. Il y a la question de la procréation traitée de manière un peu décalée. Qui vient raconter quelque chose de ce qu'on est en tant qu'individu a été traité de manière différente plusieurs fois, et notamment dans un court-métrage avec Clotilde M, mais aussi avec Fabrizio Rongione, par ailleurs, où j'ai fait un film qui s'appelle Le sens d'orientation. Fabrizio était stérile, il ne l'avait pas dit à sa copine, alors qu'ils essayaient d'avoir un enfant, etc. Il n'osait pas lui dire que lui savait. Par ailleurs, ma femme était en train de produire un documentaire sur des deux hommes qui ont fait appel à une mère porteuse aux États-Unis. Voilà, la société animée, suranimée par cette question-là. Moi aussi, mais pour des raisons plus de l'ordre qui sont dures à mettre, à mettre des mots là-dessus, de l'ordre poétique romanesque, ça m'a paru un terrain de jeu idéal. Et puis, en réalité, l'autre vrai, c'est que je cherchais, très concrètement, comment retravailler avec Clotilde M. Et quel personnage je pourrais inventer avec elle, dans le sens vraiment inventer une créature qui pourrait lui correspondre avec ce que j'avais rencontré d'elle. J'ai l'impression qu'on a vu Clotilde N beaucoup dans des rôles plus ancrés vers la forme de gravité, de la beauté diaphane, etc. Et moi, j'ai découvert un espèce d'ado dégingandé, une espèce de femme à la fois libre et aussi une mère, parce qu'elle était aussi maman à l'époque. Enfin, elle est, voilà. Et puis un potentiel comique que je voyais chez elle. Et on a toujours une petite prétention quand on fait un premier film, si on a envie d'inventer quelque chose. Moi, j'ai inventé quelque chose dans mon coin, tout seul, c'est-à-dire Clotilde comme peut-être une actrice comique, mais c'était, voilà. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de courts-métrages où c'était des hommes, et pareil, on a envie de se mettre un peu en péril sur un long, et je me suis autorisé à m'imaginer femme comme personnage principal d'un premier film, et peut-être que du coup, ça a créé une forme de vérité sur son personnage, parce qu'il n'y a qu'un homme pour dire qu'on peut séparer sa tête de son ventre, puisque je ne suis pas capable de le ressentir, mais pour elle et pour ce qu'elle fait, bah, peut-être qu'il y avait une vérité là-dedans. J'avais envie que Clotilde, ça soit une espèce de Bruce Willis de la GPA, quoi. Une nana qui dit, les mecs, moi, vous pouvez pas avoir d'enfant, moi, je peux, moi, je vous le fais, pas de problème, finger in the nose, et on avance droit comme ça, et je voulais qu'on avance droit comme ça, jusqu'à ce que bah, ça se fragilise un peu, et que du coup, ça permette à la complexité de la question d'entrer par surprise dans un truc qui a l'air très léger. Du coup, la comédie, la manière dont Clotilde est légère, c'est une manière aussi de mettre des œillères sur le sujet. Puisque je sais qu'à la fin, j'en mettrai pas. À la fin, il y aura un vertige. Et puis, c'était l'histoire d'une naissance. Mais c'est aussi une naissance émotionnelle pour elle. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a un peu permis de lancer une dynamique. Moi, je, à la base, je suis un cinéphile, etc. Mais enfin, ma cinéphile, elle a pris des détours un peu bizarres avant d'arriver là où je suis. J'ai commencé comme un ado presque geek à aimer les films avec Bruce Willis, les films avec Mel Gibson, les films avec Stallone. J'avais des posters de Jean-Claude Van Damme dans ma chambre, c'est pour dire d'où je reviens. Et Mel Gibson dans L'Arme Fatale qui se déboîtait l'épaule, etc. C'était quelque chose que j'adorais comme principe de personnage. Et j'en ai profité pour le faire là. D'où le titre, d'où Clotilde qui se déboîte l'épaule dans le film, etc. Je voulais que ce soit moi, Mel Gibson, quoi. Voilà. Et elle a un côté, elle est énergique, elle a une forme de... Dans le cours que j'ai fait avec elle, j'ai senti qu'elle pouvait très bien faire des films d'action. Enfin, franchement, Clotilde, un jour, peut-être, je m'autoriserai à imaginer un vrai film d'action avec elle, parce qu'elle est physique, quoi. Elle est très physique, en fait. Elle s'est isolée pour vivre cette grossesse hors du monde, parce que c'est, en France, c'est interdit, etc. Donc, moi, je suis parti sur ce principe que si elle le faisait, elle ne voulait pas le confronter à la société, elle n'avait pas besoin, et donc elle s'isole. Et cette maison devient une espèce de lieu... J'avais, évidemment, comme je disais au début, au départ, on part sur des grosses idées bien lourdes. Il y avait un truc plus fantastique dans le fait qu'elle se coupait du monde, qu'il y avait des bêtes autour, etc. J'en ai gardé des petites touches
on a des touches comme ça, mais il y avait. Et puis j'ai vu cette maison qui est. J'avais pas imaginé comme ça au scénario, mais quand je l'ai vu en repérage, une maison ventre, quoi. C'est une maison avec un arrondi. Ça, c'est à la fois le ventre, mais à la fois c'est les cercles dans lesquels elle n'arrête pas de s'enfermer. C'est-à-dire qu'elle s'enferme elle-même dans un cercle. La maison en est un, la piscine que Fabrizio lui construit en est un autre. Et il y avait ce système de poupée russe, une femme enceinte, une poupée à l'intérieur d'elle. Enfin voilà, tout ça, c'est une espèce de cohérence. Le film raconte qu'est-ce que c'est que de créer un lien, puisqu'on redoute le lien qu'elle va pouvoir potentiellement créer avec cet enfant qu'elle porte, avec beaucoup de détachement. Mais on se dit à la fin, il va y avoir peut-être un lien. Et pendant ce temps-là, elle est en train de créer un lien qu'elle ne voit pas venir avec quelqu'un qui est là, qui est un homme un peu qu'elle considère comme les autres, comme une espèce de Kleenex au début. Et puis, elle aura vécu quelque chose, elle aura passé un temps, elle aura vécu une histoire avec lui. Fabrizio, pour moi, c'est le non-père de son non-enfant. Du coup, c'est une manière de créer un lien. Pour moi, je voulais vraiment faire une sorte de comédie romantique, mais qui marche sur le principe inverse du coup de foudre. On s'en fiche de lui au départ, et à la fin, quand il n'est plus là, il nous manque. Voilà, c'était un peu ça que je... Et Fabrizio, avec lui, elle essaye d'être une mère, une femme enceinte. Elle s'essaye à ça, elle est très... voilà. Et elle s'essaye à la vie hétéronormée aussi, presque, avec lui. J'avais envie de m'amuser avec cette idée qu'on est dans un monde où il n'y a que les hommes qui veulent les enfants. Et les femmes, elles les font parce qu'il faut bien que les hommes en aient. Voilà. Et voilà, on s'amuse à caricaturer une idée, puis après, on l'incarne, et voilà. Et Fabrizio, évidemment, à travers elle, à travers ce ventre, à travers cette femme, à travers cette histoire qui vit, l'envie de paternité, et là, elle hante aussi, évidemment, quoi. C'est le non-père de son non-enfant, quoi. J'ai un peu produit mes premiers cours, etc. Donc, j'ai aussi une conscience de la manière dont ça se passe, une conscience du marché. Je suis très intéressé par la question de comment ça marche, comment on finance un film, etc. Ce que je veux, par contre, je tiens. Ça va être très bizarre de dire ça, mais j'avais entendu Amalric dire la même chose et ça m'a complètement rassuré d'être dans une économie très cohérente entre ce que le film est, combien il coûte et dans quel marché on le fait, etc. Parce que, en fait, je pense que c'est en ayant une conscience et une vision de ça que finalement, on va peut-être avoir une part de liberté créatrice. Le film a été financé moyennement bien, mais par rapport à ce que le film est, c'était normal. J'ai eu du temps de tournage, j'ai eu du temps en post-production, j'ai eu un producteur qui m'a extrêmement apprécié, un distributeur qui accompagne, des financiers qui sont contents. J'ai l'impression d'être cohérent et du coup de me sentir très libre, pas rechargé de pression, etc. Je me sens indépendant et en même temps cohérent par rapport à l'économie dans laquelle il s'inscrit. Tu sais, j'arrive à séparer ma tête de mon ventre. Ah bon ? Oui. Du coup, je fais avec quelle partie ? Ne cherche pas.